Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Wars, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très particulier du début d'une série qu'on va faire sur le jeu Batman Arkham Asylum. Alors Arkham Asylum est le premier jeu d'une série, de la série Arkham. Il y a 4 jeux, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Arkham Origins et Arkham Knight, et on va faire tous les jeux, tous, avec leur DLC. Le plus possible de quêtes, on essaiera d'accomplir toutes les missions, d'aller finir à 100% chacun d'entre eux. Donc, bienvenue sur une série qui va durer 4 ans et demi. Alors, Batman Arkham Asylum est une de mes séries de jeux mes préférées, parmi toutes, hein, avec The Witcher et la série des Age of. Et Battlefront. Batman, bien entendu, c'est mon super-héros favori, mais ça, pour ceux qui ont vu les épisodes de Gotham, ils auront très très vite compris que j'attache une énorme importance à Batman Arkham, dans le lore Batman, tout simplement parce que je considère que Batman Arkham est probablement l'un des lores les mieux faits, les mieux respectés. Alors j'ai démarré une partie pour faire un petit peu tout ce qui est au niveau du son, etc. J'espère qu'on n'aura pas la mauvaise surprise cependant d'avoir le coup du on n'a pas la cinématique d'intro, sinon bah, je recommencerai une partie, on aura la cinématique d'intro et puis c'est pas grave. Oui, quelque chose que je vous ai pas dit, on va faire le jeu en mode difficile, en mode hardcore. Pourquoi? Parce que je connais super bien le jeu, je suis franchement bon dessus, hein. D'habitude j'ai une merde absolue sur les jeux, mais sur Batman Arkham je n'ai aucun problème à tester le jeu en mode difficile. Et c'est donc ce qu'on va faire dès maintenant. Et on va s'amuser en mode très très compliqué. Alors ça fait un petit temps quand même que j'ai pas retenté à Batman Arkham. Donc il y a une possibilité que je me foire un petit peu comme une vieille merde. Hein. Mais bon, on verra. Tralala. Cette intro... tellement bonne, tellement belle. You've done with the place. That's Warden Shop to you. Bowles! Yo, Frankie! How's the wife and kids? You miss me? Shut it, clown! A lot of people here really want to talk to you. Really? I don't mind walking. Not so tight, boys. You'll crease the suit. Get that filthy degenerate out of here. Warden, something's not right. I'm going with him. Is Commissioner Gordon here? Yes, sir. He's waiting for you down at patient handover. He got here just before you did. Sharpie loves his cabins. Hey, Sharpie, you getting my good side? Ah, but heck, they're all good, aren't they? Look at all this new security. Alors, pour ceux qui savent pas, le personnage du Joker est doublé par Mark Hamill.
qui joue Luke Skywalker dans Star Wars. It's always nice to return to my sweet little hacienda. Et qui avait aussi doublé le Joker pendant la série animée de 92, et qui pour moi est le meilleur Joker du monde, hein, parce que quand vous le voyez doublé de Joker, il le joue vraiment, et ça c'est magnifique. Scan initialized. You know what? I prefer the good old cavity search. Much more personal. Got a red light. Multiple prohibited items. I want Joker searched again. It's not the patient. Ooh, would you sneak in with your bats? Come on, tell me. Batarangs, bat claws, ooh, bat snacks. Un bat snack. J'aimerais bien voir ça. Ça doit être un sandwich en forme de batarang, peut-être. There'll be time enough for you later. Speaking of time, talk, tick tock. Is that a crocodile I hear? What's up, Doc? Pencil me in for tomorrow at 4. Alors, we've got a lot of catching up to do. Un petit détail, le personnage de Cage qui est ici, que le Joker vient de mentionner, est un personnage de garde de l'asile dont la main s'est fait dévorer par Killer Croc. My boys over there could have been hurt in that unfortunate fire. Just gotta check your prisoner, Officer Bold. Whatever, just be quick. Only following procedure. Patient seems to be in satisfactory condition. Looks like he suffered minor lacerations, probably in the last 2 hours. There seems to be... Need to take my temperature? I'd be happy to drop my pants. He's all yours. Get him out of here. He's good. Get the door open. Ah, d'ailleurs, en parlant de Killer Croc, pour ceux qui savent pas qui c'est Killer Croc, dont je faisais référence, je crois, dans un épisode de Gotham, il va apparaître juste là. You heard the lady. We got another psycho on the way. Can you smell the excitement in the air? No? Must have been one of the guards then. Croc, old boy! Is that you? Ça, c'est Killer Croc, cette immense saloperie. Keep your weapons trained on it at all times. What's it doing? I've got your scent, Batman. I will hunt you down. Get that animal under control! A toy collar won't stop me from killing you, Batman. I'll rip you apart, eat your bones. Oh well. That reminds me, I really need to get me some new shoes. Okay, move up. J'adore vraiment à quel point le Joker est complètement à côté de la plaque sur toutes les situations, ils sont fous, mais un truc de ouf. Allez. How come they let Batman pass security? Whee! Great night for a party. Not where you're going. The night is young, Bats. I still have a trick or two up my sleeve. I mean, don't you think it's a little bit funny how a fire at Blackgate caused hundreds of my crew to be moved here?
I thought I told you to stay quiet. Oh, Frankie, you really should learn to keep that fat mouth of yours shut. It'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. What are you really after? Well, nothing much. Hundreds dying in pain and fear. All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? All patients should avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility. Their presence... What's he doing? Stay where you are. Get a flashlight. Get a light on him. Ça va, on maîtrise. What? Don't you trust me? Our guest has arrived. Encore une fois, vous le sentez venir, le fait que ça va partir en couille. Mais en même temps, c'est un jeu vidéo, hein. Si tout se passait bien, il n'y aurait pas de raison d'y jouer. So, you're back. You killed three of my crew and be busted out of here. Only three? I'll be sure to try harder next time. What say we aim for 100? Ah, Commissaire Gordon. Long night, Jim. Joker invades City Hall and holds the mayor hostage, leaving it to me to juggle SWAT teams, the media, and you. Yeah, it's been a hell of a night. Hopefully the last one we'll ever have with him. Yeah, right. Hold it there. Sorry, Batman. Arkham staff only. I assure you, if anyone's qualified, it's... Listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates. I think he's talking about you, Bats. Don't be a stranger. You're always welcome here. Gotta say, it's good to be back. You okay? He surrendered almost without a fight. I don't like it. At least he's back where he belongs. Get up! Now! Ouais, on s'y était attendu. Boum. Allez, c'est parti. Ladies and maniacs, I apologize for this interruption to your regular entertainment. Up until a few seconds ago, I was gonna kill everyone in the room with the most cartoons. But then, you know how I do love a captive audience. Ils ont vraiment inventé un système qui était juste génial en termes de combat et que tout le monde a copié. Mais tout le monde. Shadow of War. Round 2. People to slay. Donc ouais, Shadow of War, y'a quoi d'autre qui a copié ce système-là? Enfin, Shadow of Mordor, Shadow of War en tout cas. Je crois me souvenir que Mad Max, le jeu Mad Max avait fait la même chose aussi. Find a way out. Gordon, try and contact the warden. Let him know what's happened.
run. Always for the heroes. You looking good watching you. Why didn't you just come find me? Yeah. You know it's a trap. Of course it is. Everywhere et that madman goes. Il a déjà fait un carnage. C'est déjà un carnage. All patients should take their medication at the prescribed times each and every day. Donc, comme on disait, si attendre. Ah ouais, bon. Et là, tous les niveaux de sécurité sont brisés. C'est la grosse merde. Wouhou! What happened? Joker happened. You're lucky to be alive. Ah bah ouais, tu m'étonnes, hein. Must have gone this way. Door's jammed. I'll try and get it open. We need help and pacification. I repeat, we need backup and pacification. Can anyone hear this? Can you hear me? I'm with Batman. Hello? Where are they? Back down there. Do you need help? No. I work better alone. Franklin, can you hear me? If you can, help's on the way. Et comme si c'était pas suffisant, maintenant qu'on a le Joker de libre, on a Victor Zsasz aussi qui est libre. Et vous allez vite voir de quoi je parle. Thank God. It's Zsasz. He's got Mike. He's strapped in the chair. Zsasz is totally lost. Wait here. You can't. He'll kill Mike if he sees anyone trying to get close. He won't see me. I see anything that looks even a little bit like a bat, and this guard dies. Do you hear me? Look at the pig eye. Alors, Victor Zsasz est un psychopathe qui, dès qu'il tue quelqu'un, le place dans une sorte de position du quotidien, il va mettre en scène en fait le meurtre. Et va se scarifier une marque pour un meurtre. Et il attend avec impatience ce jour où il pourra tuer Batman. Ok. These old gargoyles should be able to support my weight if I grapple up. He'll see me coming on the ground, so I'll stay up high. Le glide kick, tac. Zsasz is down, but not for long. Dans les couilles. Et maintenant, le directeur est capturé, c'est sûr. La nuit parfaite. Donc oui, si vous avez retenu l'information de plus tôt, il a soi-disant eu un... Et soi-disant eu un incendie à la prison de Blackgate où tous les hommes du Joker étaient entreposés. Et ils ont tous été amenés à l'asile d'Arkham. Puis au moment où le Joker arrive et commence à faire une sorte d'évasion, mais pas vraiment une évasion puisqu'il prend le contrôle de l'asile. C'est marrant. Ça semble un peu prévu. Allez. Voilà, l'homme mystère, on va en entendre parler de l'homme mystère à un moment donné dans ce jeu. Joker toxin. Listen,
The room is full of poison gas. Anyone caught in there is dead. Are you gonna get in there and help them, Batman? Donc maintenant, le Joker a foutu le bordel en foutant du gaz hilarant. Le gaz du Joker qui tue les gens en les faisant mourir de rire. Dans une salle entière. Donc ça va être à nous. En effet. You're gonna be fine. Stay here. Au passage. Batman's here. Hold on a little longer, Steve. I can't. I'm going after the animal who did this. Batman, the extraction system. Steve was trying to get to the control panel at the end of the room. Je sais pas comment il aurait réussi ça, hein. Et on va le sauver. Et voilà. Ce que je trouve marrant, c'est que le Joker a buté ses propres hommes en faisant ça aussi, puisqu'il a inondé la salle entière. C'est un peu plus compliqué avec le mode difficile parce que normalement. Ouh, c'est passé un truc avec sa tête. Ah, c'était moche. Normalement, vous voyez en fait le moment où ils vont vous attaquer, donc vous pouvez réagir avec le côté avec le mode hardcore, vous pouvez pas. Vous voyez rien. Il est moche. Il est très très moche. Alors. Bon, si vous aviez les doutes de s'ils sont morts ou non, bah là maintenant vous le savez qu'ils sont très très morts. Ah merde. Donc ce mini-boss là, il y en aura plusieurs dans le jeu de même type et ils sont relativement tous pareils. Par contre, j'ai encore oublié d'envoyer le batarang. Voilà, là comme ça c'est mieux. Ah mais putain, mais non, mais pas la porte. Ah, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et hop, un batarang en prime. Cinq, six, sept, huit, et tu te casses, batarang. Ça va, une fois que vous avez pris le coup de main, franchement, c'est faisable. Hein. Mais c'est vrai qu'au tout premier abord, hein, c'est la première fois que j'y ai joué, j'ai galéré contre celui-là. Hein. Par contre, c'est un sac à PV, hein. Et batarang.
Ah, est-ce que c'est bon? Je crois qu'il est mort là. Oui, ça y est. Eh oui, Batman a sa règle d'or, ne pas tuer. Qui, encore une fois, le dessert un petit peu, parce que là, il aurait pu tuer le Joker et genre sauver tout le monde. Yerk. Alors, bah, juste rapidement, ce... voilà, ce... Celle-là, elle est pas mal, je l'aime bien l'utiliser. Jerry in here. Powered up the gate. Must have passed out. Joker went through that door. What's on the other side? We call it extreme isolation. Only way in is via the transport system. Open it. Not a problem. I'll just need to call another cell. Okay. Il n'y en a plus qu'à attendre que on nous ouvre. Parce que vous savez, ce sera aussi simple que ça. I should go back to the holding cells. Bowles wasn't too smart. He'll have left a trail. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je suis désolé. On est obligé de s'arrêter là pour aujourd'hui. Tout simplement parce que je vais pas tout vous dévoiler du jeu en un seul épisode. Il faudra quand même attendre pour le prochain. Du coup, résumé de cet épisode. Donc le Joker s'est échappé de notre de sa captivité au bout de 10 minutes. Victor Zsasz a été libéré, mais on l'a remis en prison. Harley Quinn est libre et a capturé le directeur de l'asile. Et le commissaire Gordon s'est lui aussi fait capturer. Du coup, bah, on a deux personnes à aller chercher, ce qui va être un petit peu un problème. Bah écoutez, moi je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillé pour le début. En même temps, c'est la partie simple encore. Hein. C'est presque le didacticiel du jeu là-dessus. Hein. Donc, on se retrouve très très vite et très très bientôt pour un nouvel épisode de Batman Arkham Asylum. En attendant, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de laisser un like sur la vidéo, de dire quel est votre peut-être Batman Arkham préféré, si vous avez joué au jeu, dans les commentaires. Dites-moi quel est votre opus préféré, peut-être même la liste de vos opus, meilleur ou pire. On se retrouve donc très très vite avec un nouvel épisode de Batman Arkham Asylum. Probablement dans la semaine, je pense, parce que je vais probablement enregistrer deux très 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 proches, deux épisodes très très proches. Et n'oubliez pas d'aller sur Facebook, Twitter, Discord, nous retrouver, discuter avec nous. Et je vous dis donc à très très vite, à très très bientôt, portez-vous bien et ciao !